Très beau le film de Benoît Pilon, ce qu'il faut faire pour vivre, qui se passe dans les années 1950, durant l'épidémie de tuberculose dans le Nord. Tivi, un chasseur inuit atteinte de tuberculose, est déraciné et transporté dans un sanatorium du Québec. Affaibli, il doit en plus faire face au désarroi de son arrachement, séparé de ses proches, incapable de communiquer dans une langue inconnue, confronté à une culture dont il ne connaît rien et surtout qui ne connaît rien de la sienne. Démoralisé, Tivi décide de se laisser mourir. Carole, l'infirmière, comprend ses mal profonds et elle transfère le jeune Inuit Kaki, malade lui aussi, dans son sanatorium. Kaki est familier avec la culture québécoise. Il permettra à Tivi de s'adapter à ce monde qui le rebute. De son côté, en transmettant ses connaissances à Kaki, en lui parlant des coutumes de son pays, Tivi retrouvera sa fierté et la volonté de guérir.